Boze taxichauffeurs van over heel Europa luiden de noodbel op de kleine ring van Brussel. Ruim 2 maanden na het lekken van de Uber-files is er voor de reguliere taxichauffeurs weinig veranderd. Uit het journalistieke onderzoek is nochtans gebleken dat de vervoersapp agressief wetten heeft weggelobbyd. We want all of us to send the message: no scandal with those applications, with those companies, no Uber in our Europe, no Uber. On est là pour défendre notre métier. Notre métier, c'est chauffeur de taxi. On est venu à Bruxelles et on va aller n'importe où dans le monde pour défendre notre métier. Les recettes de nos collègues taxis ont diminué de 50 voire de 60%. Ça a duré pendant des années et ça a impacté surtout la famille, les familles en tout cas des différentes collègues taxis. Elite Taxi België, de Belgische tak van Elite Taxi, dat is de grootste taxivereniging wereldwijd, viseert vooral voormalig Brussels vervoerminister Pascal Smet. Ook hij wordt genoemd in de Uber-files en zou volgens Serrat te nauwe banden hebben met Uber. On pensait qu'il était là pour un petit peu contrôler et réguler le taxi, mais au fait, il a plutôt aidé Uber à s'infiltrer dans le marché du taxi, ce qui nous a porté un préjudice énorme au niveau des recettes de tous les chauffeurs de taxi. Hein. Sans compter le manque à gagner pour l'État. Exactement, et sans compter le manque à gagner pour l'État, puisque Uber ne profite en rien à l'État belge, puisqu'elle ne paye pas d'impôts, elle ne déclare pas ses employés, et elle fait de l'évasion fiscale. Donc tout porte à croire que on est les plus grandes victimes dans cette histoire. Veel andere sectoren letten ook maar beter op, klinkt het bij de chauffeurs. Nous voulons montrer aux différentes corporations, pas uniquement le taxi, que l'ubérisation va venir les toucher. À tous, que ce soit les pharmaciens, que ce soit les notaires, que ce soit les différentes corporations, vont être touchés par l'ubérisation. Uber heeft bestaansrecht, maar moet dan wel volgens de regels spelen, is de boodschap. Il y a des lois qui doivent être respectées. Après, Uber, s'il veut rentrer dans les plates-bandes, il n'y a pas de problème. Il y a de la place pour tout le monde. Mais simplement, il y a des lois que nous respectons, que les taxis européens respectent et qu'eux doivent respecter. Ce n'est pas une interdiction que nous demandons, c'est pas ça. Nous ne voulons pas le monopole.